du coup menuisier, j'étais niveau 60 à ce moment-là, et j'avais acheté genre, je sais plus, 60 trucs à l'HV azuré, je sais pas quoi, enfin, des trucs de craft pour azuré, et ça m'a coûté une blinde, genre vraiment j'en ai eu pour au moins 100-200K quoi, enfin, je pensais pas que ça allait coûter aussi cher, surtout ça. Comme quelqu'un qui vient de se lever. Ah oui, ah oui d'accord, t'es sur le réveil, je comprends. Je comprends. Encore la bouche pâteuse, tout ça, pas de souci. Laisse-toi décoller les yeux et regarde le stream tranquille. Et ouais, du coup, je disais, j'étais niveau 60, j'ai acheté quelques items d'azuré à l'HV, du coup. Et je me suis dit, ouais, j'ai un stuff un peu pourri, je vais acheter du stuff, du coup, niveau 60. Je sais plus, c'était le stuff de Kugane, je crois que c'était 60, 63, enfin, un truc comme ça. Et du coup, bah, j'achète le stuff, hein, tout se passe bien, sauf que ça me revient incroyablement cher, ça m'a revenu genre à 500K le total, genre vraiment le stuff plus les compos, au total c'était 500K quoi. Et Ronnie. Et du coup, bah, je me mets à crafter, tu vois, j'avais mis vraiment 100-200K là-dedans, plus le stuff et tout, vraiment, je me dis, pour moi 500K c'était énorme. Et du coup, je commence à craft, je crafte les trucs, je rends à azuré, j'étais trop bien. J'ai tout craft, sinon c'était la merde d'y voir. Genre, ouais, bah je te le fais pas dire. 500K pour un stuff niveau 60, plus un peu de compo d'azuré, j'ai dû en rendre genre peut-être 20, enfin un truc comme ça, même pas. 12, 20, même pas. Et je suis passé de 60 à 63,5. Je me suis dit, 3 niveaux pour 500K. Petit calcul dans ma tête, c'est pas super rentable. Du coup, j'y suis plus jamais retourné et j'ai continué mes ravitaillements du coup jusqu'à monter 80. Et bon, bah c'est quand même un peu moins cher de payer 20K tous les deux, enfin 20K pour un demi-level quoi. C'était beaucoup mieux. Du coup, plus jamais, mais plus jamais, je veux faire azuré en achetant des trucs à l'HV ou me faire un stuff avant d'arriver 80. C'est, je crois, la plus grosse erreur que je pouvais faire, quoi. Surtout qu'à la base, je voulais mettre des matérias sur mon stuff. Quelle erreur! Bon, du coup, j'en ai pas mis, hein. Ça m'aurait revenu à une somme astronomique. Enfin, ça aurait été n'importe quoi, quoi. En plus, c'est Black Friday. Ouais, mais ça marche pas. Dans FF, il n'y a pas Black Friday. Mais tes autres métiers vont profiter du stuff. Ah? C'est pas rentable du tout. Matériel, tu peux en avoir à Azure aussi. Ok. Bon, en fait, je l'ai pris du mauvais pied à Azure. Genre, j'étais acheté des trucs à l'HV pour les craft à Azure. Mais en fait, je pense qu'il vaut mieux les choper à Azure. D'ailleurs, je sais même pas comment les choper. Je crois qu'on m'avait parlé de monter un récolteur pour ça, niveau 60, en tout cas. J'ai mineur et botaniste. Bah nickel, j'ai mes récolteurs maintenant 60 ou plus. Donc, normalement, je peux récolter des je sais plus comment ça s'appelle, des trucs d'Azure. J'imagine. Enfin, en tout cas, je pense que c'est comme ça que ça marche, non? Tu récoltes des trucs à azurer, et après tu peux faire des crafts. Mais du coup, tu m'as dit, si tu es FK Brain, tu peux aussi au diadème et récolter, oui. Alors, FK Brain, bon, c'est pas vraiment mon délire. Mais je vais regarder. Attends, c'était un stuff blanc. Ah oui, c'est ça, c'est toutes les classes. C'est niveau 41? Pourquoi c'est niveau 41? Me dis pas que j'ai jeté le stuff. Ah non, c'est bon. Niveau 63! C'est ça, niveau 63. C'est vrai qu'il faudra en 12... 12 heures de récolte? Quoi? 12 heures? C'est pas possible. Je vais jamais monter mes métiers comme ça. Franchement, je vais m'en mettre à faire mes ravitaillements tous les jours et ça sera très bien. Je pense jamais. 12 heures de récolte. Non mais. 12 heures quoi. Jamais je fais ça. 12 heures, mais il est fou. Ça va, c'est pas cher payé pour devenir Omnicrafter. Ouais, mais non. Non. Juste non quoi. 12 heures de récolte, mais. Putain, clairement, je préfère vraiment prendre 10 minutes pour faire mes ravitaillements tous les jours. Vraiment, 12 heures de récolte. Mais sinon, à part les récolter,
Parce que bah je sais toujours pas où c'est le truc pour récolter. Tu m'as parlé d'un truc au diadème. Je sais pas où c'est le diadème, donc dans tous les cas voilà, mais de toute façon, que je sache ou pas, tu m'as dit 12 heures de récolte, ça me donne pas envie d'y aller, quoi. Mais c'est assuré. Ok. Ça marche. J'imagine que c'est derrière, genre une zone grande et tout. J'ai jamais dépassé le spawn d'Azurée, hein, vraiment. D'ailleurs, je vais faire un petit tour à Azurée, voir comment c'est. Déjà, c'est ouf. Y a pas de TP comme ça, je crois. Je crois que c'est un. Ishgard. Je crois que c'est Ishgard. C'est Azuré. Ok. je crois que c'est Ishgard Azuré. Non, je dis pas de conneries. Je crois que c'est Ishgard. J'attends de voir la réponse. C'est Ishgard. Merci. Oui, très bien. Super. J'avais un petit doute. En fait, je me rappelais prendre une sortie d'aéronef ou un truc comme ça. Enfin, des espèces de double porte battante, quoi. Mais j'étais pas sûr. Je peux peut-être me TP direct à Azuré. Voilà. Super. J'ai regardé un petit peu, hein. Mais très peu de chances que je me mette à miner ou quoi que ce soit pendant 12 heures. Horrible. Pourquoi j'ai la cinématique? Quand ça fait longtemps que t'es pas venu à Azuré, t'as une cinématique ou comment ça se passe? Parce que ça fait quand même 3 fois ou 4 fois que j'y vais, quoi. Déjà, la première fois que j'y suis allé, c'était. Il y a longtemps, très longtemps. Je suis retourné il y a genre un mois. Ah, construction de la retraite de Givre terminée. Ah, ok, d'accord, je me demandais, mais pourquoi j'ai la cinématique? Bah, ok, ils ont fini une reconstruction d'un truc. De la retraite de Givre. C'est quoi ça? Cupo de la fortune? J'ai deux coupons. Pour jouer au cupo de la fortune. Je suis allé direct vers un PNJ qui me propose un truc bizarre. Je sais pas. De toute façon, les coupons, ça sert qu'à ça. Parce que je joue au cupo de la fortune. Go! Allez. Cupo de la fortune. Ah, je suis au bulldog! Trop bien! 15 esquisses d'artisan, j'ai aucune idée. Horloge de table. Oh non, les prismes, non, ça va aller, hein. Alors, 8% d'avoir le chien. Et ici, j'ai beaucoup de chance d'avoir de la merde. 8% d'avoir le bulldog. Le clutch! Oh putain! Le seul truc que je voulais, quoi! 8% de chance! Ah, ah, ça fait du bien! Ah, j'en reviens pas, quoi! Une petite boule de poils bien trop gentille et trop mignonne pour achever l'entraînement destiné à en faire un chien de guerre. Parfait! Oh là là! En plus, j'ai hésité à cliquer ici! Et ça aurait été le pire truc, quoi, les prismes! Salut Max, il se passe quoi? Bah en fait, je viens d'aller à la zone où on monte les crafts. J'ai demandé du coup, est-ce que j'utilise mon petit passe là pour faire un jeu de grattage? Et du coup, j'avais 8% de chance d'avoir la mascotte Chio Bulldog. Et je me dis, oh, ça a l'air sympa la mascotte Chio Bulldog, c'est pas mal.
Oh, ça a l'air un peu naze, ça a l'air un peu naze, ça a l'air un peu naze, ça, les prises, on s'en fout, c'est de la grosse merde, d'accord? 45% de chance, et j'avais 8% de chance d'avoir le truc que je voulais si je cliquais sur la bonne case! J'ai cliqué sur la première case au pif total! Et j'ai eu le truc à 8% de chance, donc ouais, je suis plutôt content, quoi! Oh non, mais je suis. Hey. Vous avez remporté le premier prix! Bah, est-ce que tu veux rejouer? Bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Il y a d'autres prix ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres prix? Ou alors, tu sais, peut-être que ça change tous les jours, toutes les semaines, un truc comme ça. Est-ce que je rejoue si j'ai deux trucs par semaine, par jour, quoi que ce soit? Ça refait ta journée, ouais. Ça change à chaque. À chaque roll! Ah! Coffre cupo Ouais, bon, je t'avoue, j'ai déjà vu ce qu'il contenait. Bon, à part un bonnet rigolo. Bah, cupo cupo. À part un bonnet rigolo. Je suis pas sûr. Hein. Ouais, j'ai envie de rester sur le même côté, mais j'ai envie de cliquer ici. Je clique en haut ou à gauche? Est-ce qu'on reste là où ça nous fait gagner? Ou est-ce qu'on clique en haut parce que j'ai un petit feeling en haut, je sais pas. Vous en pensez quoi? Plutôt en haut ou à gauche? J'hésite entre les deux là. Attends de regarder les réponses, j'hésite. Pour le coffre cupo-cupo. Je pense que si j'ai le coffre cupo-cupo, s'il y a quelqu'un qui le veut, je le donne. Pas pour rien que c'est lui qui ouvre les coffres dans les cartes au trésor. En bas à droite, non mais c'est exactement là où je veux pas cliquer. T'as pas compris le jeu. C'est soit à gauche, soit en haut. Sur le triangle. Non mais l'esprit de contradiction quoi. Aïe aïe aïe. Je vais retourner bosser FK. Ça marche, amuse-toi bien Annie. En haut alors. J'ai tellement envie de pas t'écouter. Juste parce que t'as un esprit de contradiction. Non, je reste ici. Ah, ok, ça marche. Bah, du coup, Annie, tu vas m'aider à choisir. Fais ce que tu veux. Ah! Non! C'était le pire truc! Et en haut! Non, j'aurais dû t'écouter! C'était en haut le coffre cupo-cupo! Ah, je suis un con! J'aurais dû t'écouter! Aïe, aïe, aïe! Non! J'allais dire en haut en plus. Mais fallait le dire en haut, je t'avais écouté toi. Oh non, et j'en ai que deux par jour, j'imagine. Aïe aïe aïe. Tu m'as pas laissé le temps. Ouais, c'est ça, ouais. Tampon de la fortune, j'en ai. Oh, très bien. Je bosse moi. Pour les coupons, tu dois craft. Oh non! Oh non, je dois pas faire. Je veux pas craft.